Yop tout le monde, eh bien petite vidéo très rapide à l'arrache même j'ai envie de dire. Tout simplement parce que je suis donc dans le carré final d'un Hunger Games. Et donc comme je vous dis tout de suite, je fais une vidéo à l'arrache. Donc on n'est plus que 3 il me semble. Oui voilà, 3 joueurs restants. Et vous pouvez contempler mon bonhomme. Donc je suis enchanté du plastron, l'épée enchantée. Je suis presque full jams. Bon il y a encore un petit peu de temps. Et j'ai trouvé aussi donc le fist, donc ici. Et donc là, je vais me faire un petit peu de tuage de mob donc pour enchanter encore mieux. Pour que je puisse après enchanter mes équipements. Donc là, en fait, je suis en train de ramasser des XP. J'ai eu la chance, comme vous pouvez voir là-bas, de tomber sur un temple du désert. Donc j'ai pu trouver encore du fer et tout, donc de l'or. Vous pouvez voir que j'ai 20 or. Là, en fait, je sais même pas quoi en faire tellement j'en ai plus trop besoin. En fait, là, ma boussole, elle me sert à rien, elle m'indique personne. Alors, j'attends office, histoire de me dire peut-être que quelqu'un va venir. Ça, j'en sais rien. Donc, voilà, j'attends. Et puis, peut-être qu'à un moment, il y aura quelqu'un. Tant que ma boussole m'indique personne, malheureusement, je pourrais pas bouger. Enfin, je pourrais bouger, mais elle tue personne. Donc, voilà. Alors, petite vidéo, comme je vous disais, à l'arrache. Donc, ça, au début, on était 150 hein, sur le Hunger Games. J'ai combattu, j'ai fait plusieurs trucs, et puis voilà que je suis arrivé là, j'ai un zombie là-bas, je vais me le faire. Juste prendre l'épée en fer qui va peut-être être plus appropriée. Vous pouvez voir aussi que j'ai aussi un briquet, donc là dans les coffres, en fait, j'ai eu des plastrons, enfin j'ai eu un plastron et un casque en jams, et le reste en fait c'était des jams à part. Donc j'ai eu 4 jams, avec les 4 jams, eh bien, je me suis fait mes bottes. J'avais 2 jams en plus, donc au total j'en avais 6. Je me suis fait l'épée. Et donc j'ai pas pu me faire le pantalon en fait, parce que j'en avais pas assez. Donc voilà. Alors là je suis niveau 1, j'aimerais bien être un petit niveau un petit peu plus supérieur quand même. Donc pour enchanter et tout. Là pour moi je suis assez bien placé là. Pour une fois, donc j'ai déjà gagné Hunger Games un matin, parce qu'il y avait personne dessus en fait, j'ai même pas fait exprès de gagner. C'est juste que je crois qu'ils se sont tués entre eux, enfin bref, il y en a un qui a dû tomber dans la lave, ou je sais pas quoi. On n'affiche toujours personne? Non, toujours pas. Donc, je pense que je me fais encore... j'ai déjà m'enchanté ça. Puis on va voir après ce que je vais faire, je pense que je vais y aller après. On va tuer le poulet, lui il va me donner des XP. Bon, voilà, il me donne des XP, on va essayer d'atteindre le niveau 2 quand même, ce serait pas trop mal. En plus, la neige l'avait fait chier un petit peu de tomber. Non, il n'y a personne. Donc voilà, vous pouvez même voir que les coffres, que je les ai même pas vidés, parce que, allez, tiens, limite, je vais prendre celui-là. En fait, je sais pas quoi en faire de tout ce qui reste. Prendre le morceau de pain, à la limite, ça peut toujours être utile. Voilà, vous pouvez voir les briquets, les flèches et tout ça. J'ai pas eu d'arc, donc j'ai pas pu... Enfin, je peux pas prendre les... Ok. Bon, alors j'enchante vite fait, non, je vais enchanter mon casque, voilà, alors vous pouvez voir aussi que j'ai eu des potions de force, donc dans les machins, là, je vais prendre celui-là, je sais pas ce que, la protection, parfait, donc dans les coffres, j'ai eu des popos de force, j'ai eu plein de trucs, et donc là, on va dire adieu au fist, et moi, je vais courir directement vers le spawn, je vais même courir très, très vite. On sait jamais, hein. Dans une minute ça passe vite. Voilà, peut-être que sur la route du spawn, eh bien je rencontrerai des joueurs, j'espère. En plus il fait nuit, j'aime pas trop ça. Bon, mis à part que je peux me faire des XP hein, avec les autres, mais bon, vu que le fist il va disparaître, je sais pas combien de temps ça va rester à la partie, mais bon, on est 3, on n'a pas été arrivé. Bon, ça va. Là il reste 15 minutes, normalement il devrait y avoir un autre fist je crois. Moi je vais quand même retourner vers le spawn, parce que je sais pas, peut-être du monde par là-bas, je sais pas trop. Quand on prend la boussole de temps en temps. Ah, il y en a un, c'est bon, j'en ai vu un. Alors, je vais reprendre ça là. Hop, comme ça. Et on va se prêter. Ah oui, je vais peut-être prendre. À la limite, je vais pas faire ça. Et je vais prendre un peu de force. Donc j'ai juste à boire et en fait là je risque d'être à mon avis invincible. On va voir ça tout à l'heure, parce que là c'est moi qui vais aller vers lui. Hein.
On va voir ce qu'il fait. Alors en plus, je sais pas si on... Ouais, j'ai encore mon seul lave ici, donc ça peut toujours être utile. Ah, j'ai entendu une araignée. Oui, elle me course, effectivement. J'aime pas trop les araignées, mais c'est pas trop mon truc, en fait. Bah, en vrai, ça me dérange pas, mais bon, là, sur Minecraft, en fait, j'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon, en fait. Ok. J'ai pas vu ce qu'ils ont marqué. Encore sans bloc. Bon, bah. Donc, je vais continuer par là. Petite mine. Ah oui, exact. Je suis passé par là tout à l'heure. J'ai tué aussi quelqu'un au passage. Je sais plus trop comment il s'appelle, mais j'en ai tué un. Ah bah tiens, moi j'étais dans cette mine là tout à l'heure. Possible tout ça. Je vais mourir. Ce serait con quand même de mourir par une araignée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment ça me fait chier de mourir avec une araignée. Bon, la map a été réduite, ça va, je suis pas encore mort. Je sais pas si je vais mourir à cause de ça. Attends, moi je vais chercher mon copain. Je pense qu'il m'attend. Je sais pas trop. Mais bon, je vais essayer de le faire quand même. On va voir ça. Je pense que je suis à peu près prêt. Le joueur commence à se lever, donc là je vais être tranquille au niveau des monstres. Ouais, je crois que ça me course un peu depuis tout à l'heure. J'ai peur qu'en fait par là, je me fasse bousiller à cause de la limite. Une petite araignée encore. Alors le joueur elle fait rien, mais bon. Si on peut l'éviter, on va l'éviter. Donc là, faut savoir que pour le Hunger Games, hein, j'ai été tout seul. J'ai reçu de l'aide de personne. J'étais tout seul, j'ai démarré tout seul. Je me suis dit, un petit Hunger Games ce soir. En plus, j'espère que je vais pouvoir finir la partie là, tranquillement, parce que c'est bientôt qu'il va bientôt falloir que j'aille manger. Voilà. Là, on arrive vers les maps plates, je préfère un peu plus. Ah, comment ça se fait qu'il ait bougé? Ah bah, notre ami qui vient de se tuer tout seul avec de la lave. Alors moi, j'en profitais comme ça, je vais gagner le Hunger Game. Parfait, je viens de gagner, il vient de se tuer. Voilà, voilà l'effet que ça fait de gagner. Putain, j'aurais même pas pu le tuer. Non, c'est pas gentil. Non, je suis dégoûté. J'ai gagné, bon, c'est Hunger Games, tranquillement. Eh bien, bah voilà, donc pour cette petite vidéo, il me semble que j'étais sur Hunger Games 2, je ne suis pas sûr, mais bon, bref, bah, je viens de gagner. Bah, je suis content. Non, j'étais sur le 1. Ok, sur le 1. Eh bien, bah voilà, bah, sur ce, bah, je vous dis salut tout le monde, et puis à la prochaine, bah, je pense, pour Hunger Games dès le début, je pense. Et puis, bah, je vous dis salut tout le monde. Allez, ciao!